Salut à tous les gars, c'est Vinsky, c'est Raïm, c'est Ismaël Garbi et c'est Herman. C'est la première vidéo les gars, c'est officiel, c'est un peu émouvant. C'est vrai. Avec un joueur professionnel sur la chaîne du club. Donc je vais te serrer la main parce que ça fait extrêmement plaisir. Merci également. Aujourd'hui on va avoir au pied les X Speed Portal de Adidas, soit les dernières, les vertes. Donc avec ces chaussures, on va aujourd'hui essayer de marquer des buts à Herman qui est juste là. Tu sens comment? Est-ce que c'est la première fois que tu as des frappes d'un genre de Ligue 1 comme ça? De Ligue 1, ouais, mais après bon, j'ai déjà joué avec des joueurs qui sont en Ligue actuellement. Donc... Mais oui, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Premier défi, c'est des frappes. Quand on marque un but, pour valider le point, il va falloir en fait deviner la note de vitesse d'un joueur. Je vous dirai plus ou moins par rapport à une note de vitesse. Si vous trouvez, c'est un point pour vous. Si vous trouvez pas, et ben vous avez pas tu de point. Tu joues un peu à FIFA? Ouais. Tu connais un peu les cartes? Oui. Je suis dans la main. Aïe aïe aïe. En fait, moi je joue un peu, mais les cartes, je connais pas les notes, tout ça et tout. Donc tu vas avoir un petit avantage. Mais après, je pense que je vais avoir un avantage aux frappes. Mais déjà, faut marquer le but avant de. Oh, t'as vu commenter? Ouais. Bon, ok, d'accord. On est prêt? On est toujours. Prêt. Allez, let's go. On est parti pour du coup ce premier défi. Alors Herman il est très fort aussi hein, c'est chaud. Oh, pas de question parce que moi je connais les réponses, je le rappelle. Ouais, c'est tu veux juste Ismaël. Montrer que tu sais tirer en fait. Non, mais... Oh, ouh là là, celui-là. Celui-là, il n'y a pas besoin de parler, il a nettoyé la lucarne. Alors par contre t'as marqué mais faut que tu trouves la bonne réponse. Ok. Jao Félix. Il est pas rapide lui. Il est à plus de 80 de vitesse non, ou à moins? Non il est à moins. Alors là je parle de la carte. Normal, pas de boost, rien du tout. À 80. Non, non, il est pas à plus de 80. Il est à 82. Ah. Voilà. On continue, 0-0. On est bon. Oh, elle méritait mieux. Oh, voilà. Il est à plus. Je sais pas c'est qui, mais il est à plus. qu'est-ce que je vais te donner comme joueur? Diogo Jota. Plus ou moins 80 sur cette année là? Sur 22, ouais. Ouais, il était pas encore connu, tu vois. Il peut pas être connu et courir vite. Non, j'irai moins. 84. Mais vas-y. Allez, ça continue, ça continue. Oh, oh oui, quel arrêt! Par contre, le niveau quel c'est arrêt pas possible, c'est pas possible. Arrêt magnifique! Il a dit que des poteaux, encore un poteau. Ismaël! Je sais pas ce qui se passe. Sur ta chaîne, je fais que des poteaux. C'est vrai. C'est peut-être un truc de Tunisie. Bah, YouTube. C'est incroyable quand même. Tunisie X YouTube, ça donne des poteaux, apparemment. Là, je vais tenter ma spéciale. Vous connaissez? Le vrai problème, c'est que Herman connaît aussi. Ah, va là-bas, toi! Va là-bas! J'apprends des infos. Ouais, mais t'as pas besoin d'infos avec moi, tu sais très bien où je vais tirer. Allez, vas-y, tente-le. Ah non! T'es sûr qu'il a. Non. Ça, c'est comment rentrer dans la tête de quelqu'un? Oui, mais vous avez vu l'angle qu'a pris ma cheville? Oh! Ismaël, t'en pensais quoi cette frappe? Franchement, il y avait de l'idée. Ah, j'adore l'équilibre dans la frappe. Tu vois, t'as pas dit ça sur ma lucarne à moi. C'est quand on est trop complice, on oublie de se faire des compliments. Parce que celle-là était vraiment belle. Ouais, ouais, bien sûr. Reguilon. Reguilon. Plus ou moins de 80? Plus. 86. Et ça fait un 0. Donc en fait, t'as mis que des plus. Je ne dis rien. Ok. Je spoil pas. Ok, ok. Mais non, mais c'est pas grave, je vais égaliser tout de suite. Oh, Herman! Ok, d'accord, ça y est. Il a trouvé son petit équilibre de frappe. Matt Hummels. Matt Hummels. Plus ou moins que 60. Il est à 56, lui. Ouais, bien joué. 56, 2-0. Comment ça? Mais allez, là, c'est pas du jeu. Fallait me dire, j'aurais révisé. Oui, j'aime bien l'équilibre de la frappe. Ouais, c'est mal. La frappe est splendide. Le mec, il est trop jaloux, tu vois. Tu veux de l'équilibre dans la frappe? Pas de l'équilibre. Je vais t'en donner de l'équilibre. Ouais. Salut les gars, ciao! Le GOAT Benzema, plus ou moins que 80? 78 de vitesse. 76, mais t'as quand même gagné du coup. Bon, il a explosé tout hein, ce défi, faut le dire. Il a marqué beaucoup de buts et en plus il a trouvé quasiment tout le temps sauf une fois. Bah ça, je suis bon joueur donc ça me fait rien du tout.
On voit pourquoi moi j'ai signé chez toi et là, lui vous mettez un logo dégâts sur la tête part, et là vous mettez un logo Ligue 1 juste au-dessus. Herman, vite fait, les frappes, c'était comment? Ouais, des belles frappes d'Ismaël. Il met des belles frappes. Ça veut dire quoi d'Ismaël? Et Raïm, c'est bien aussi Raïm. Il y a de la progression. Je vais plus trop rigoler, sinon je passe en défense. Ah, c'est toi qui défends là? Je suis arrière droit, donc c'est parti, défense, t'es contre moi. Là, c'est mon exercice favori, humilier un youtubeur. Herman, on est en forme. Il a pas trop de temps sur moi. Je crois qu'il a été impressionné, c'est déjà bien pour mon cœur. Ah, bien joué Vincent, voilà. Ok, j'ai déjà plus de twist. Oui, parce que Vincent a commencé sa prépa... Enfin, il a jamais commencé sa prépa. Il est toujours sur la prépa de l'année dernière, de la saison Covid. Ah, je te dis entre nous, mais quoi qu'il arrive, il repart pas sans le petit pont, gros. Il m'a mélangé. J'avais dit, je lui ai dit, il part pas sans petit pont, mais je parlais pas d'Herman. Là, on veut de la créativité encore, comme le premier passage. Si Reims fait jouer par un joueur du PSG dans la ligne tunisienne, alors là, on contrôle plus. Hein. Et il veut créer maintenant. Ah, il a essayé de le petit pont, virgule. Ah, bien joué, Herman, pas deux fois. On va tenter la filou, sans dribble. Oh, Herman, il est trop fort cette vidéo. Lui, il croit que c'est du street football, il arrive devant le but, il est là. Je sais pas si vous avez vu, il y a un youtubeur, disparition. C'est pas mal. Ah, voilà! J'avais dit, on part pas sans roulette. Finesse. Là, on va faire des petites frappes, des petites reprises. Pépère, le premier exercice, franchement, je me suis fait humilier. Deuxième exercice, c'est Vince Sky qui s'est fait humilier. Et cette fois, bah, c'est un joueur pro qui va se faire humilier. Normal. Ah, dommage. C'était un 1-2. C'était un 1-2, ça c'était pas un tir. Oh, oh là là. Là c'est bon. Oui. Je me sens trop bien. Il est trop bon. Ah, Herman. Là c'est un arrêt de Ligue des Champions. Là vraiment, c'est le boss. Oui. Faut remercier le passeur. C'est vrai que là, Vincent. Remercier le passeur. Non, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il fait ouais, souvent des centres comme ça. On fait souvent des après-midi. Jamais il me fait des centres comme ça, moi. Merci beaucoup, Ismaël. C'était vraiment un grand plaisir de faire une vidéo avec toi comme ça. Merci à vous. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous voulez plus de vidéos avec des joueurs pros. Ce serait génial sur la chaîne du Vinny Sky. Ce serait juste super qu'on fasse un peu de la DK VS Ligue 1. Herman, t'as kiffé? Ouais, c'était super. Tes premières lucarnes de pro en HD, c'était bien. Mais Dani, il a fait des super arrêts aussi. Et Raïm, t'as kiffé aussi? Ouais, moi j'ai adoré. À part la première partie où je me fais un peu humilier, mais sinon tout le reste. Aimé, je crois, cette partie là. Ouais, cette partie là, il a bien kiffé. Le silence, c'est la pire chose. Merci beaucoup. Humilité. Merci beaucoup, c'est Vince Sky. Salut les gars. Merci beaucoup. Ciao. Peace. Salut.